y a bien longtemps, à Lyon, il y avait une salle de concert, comme l'Olympia à Paris, qui s'appelait le Palais d'Hiver. Cette salle, j'en ai parlé déjà dans une vidéo, accueillait tous les grands artistes français et les artistes d'ailleurs du monde entier, les Beatles, Jimi Hendrix, etc. Cette salle du Palais d'Hiver a fermé en 1985. Elle a fermé définitivement, mais le propos n'est pas de savoir ni pourquoi ni comment. Aujourd'hui, je vous parle de cette salle car en 1973, le 14 avril, produisait dans cette salle Johnny Hallyday. Jusqu'à il n'y a pas longtemps, nous n'avions aucune image et aucun audio de ce concert. Et il se trouve que aujourd'hui, et je vais vous en parler, on peut retrouver ce concert en audio, malheureusement pas en vidéo mais en audio, sous différentes formes et je vais vous en parler plus tard. Alors bien sûr, si je vous parle de ça, c'est pour plusieurs raisons. La première raison, bon, je suis un fan de Johnny depuis la première heure. J'ai fait sur ma chaîne, je crois qu'il y a une quarantaine de vidéos, de tutos, de titres de Johnny. Et puis surtout, c'est que ce fameux concert du 14 avril 1973 à Lyon au Palais d'Hiver, j'y étais. Et j'y étais pourquoi? Tout simplement parce que j'avais la chance d'être dans l'orchestre qui faisait la première partie de Johnny Hallyday. Faire la première partie de Johnny Hallyday, je pense que beaucoup de musiciens en ont rêvé, mais peu l'ont fait. Moi, j'ai eu cette chance et vous pensez bien que aujourd'hui, je suis très fier de ça parce que malheureusement, Johnny n'est plus là, le Palais d'Hiver n'existe plus et sort donc ce fameux concert en audio sous différentes formes, je vous l'ai dit, et tout de suite, je vais vous en parler. Donc, je vous présente l'orchestre dans lequel je jouais en tant que guitariste donc à l'époque. L'orchestre s'appelait Pink Panther et donc comme je l'ai dit, nous avons eu donc la chance de faire la première partie de Johnny. Alors bien sûr, je pourrais vous raconter tout ce qui s'est passé dans les coulisses notamment et surtout le fait que nous avons aussi eu la chance de passer donc première partie, mais en utilisant la sono de Johnny Hallyday. Alors après, un accord avec les gens concernés de la direction musicale évidemment de Johnny, mais après discussion, on a convenu d'un accord et on a eu la chance non seulement de faire cette première partie, mais en même temps de le faire sur la sono de Johnny Hallyday. Pour la petite histoire, suite à la disparition de Johnny, les gens qui possèdent les droits probablement ont décidé donc de sortir ce concert en CD. Hein. Donc, je vous mets évidemment plusieurs références, vous verrez. Donc, il y a 13 titres, je vous les affiche, que vous allez retrouver, 13 titres. Je vous mettrai un morceau des quelques extraits vers la fin. Donc, ces 13 titres, c'est donc les 13 titres du concert. Alors, vous le trouvez donc en CD. Et puis, il y a également une édition limitée, numérotée. Donc, pour les fans comme moi, pour les collectionneurs, bon, bref. Donc, je suis à titre personnel très content, ça réveille des souvenirs, bien entendu. Sur la fin de la vidéo, je vais laisser filer, je vous mettrai quelques photos de Johnny avec un petit extrait du concert. La vidéo se terminera comme ça, tranquillement, avec des photos de Johnny, bien sûr, et un extrait du concert. Hein, voilà. Donc, ça sera une vidéo assez courte, mais je tenais à marquer le coup, comme on dit. Voilà, les amis. De la fenêtre de mon train, à charge, j'ai vu une fille qui avait des cheveux si clairs que j'ai cru un instant rêver. Nous étions à la fin du jour et j'avais longtemps voyagé, oui. J'avais des cendres dans la bouche et je me sentais fatigué.
et les cheveux de cette fille, si blanc, si clair, si transparent, me redonnèrent cette fraîcheur que connaissent seuls les enfants. Elle n'attendait rien ni personne. Je suis descendu